À quoi ressemblerait la vie sur Mars si nous pouvions aller y vivre un jour? Ressemblerait-elle à la vie sur Terre dans le désert? De quels équipements aurait-on besoin pour ne pas manquer de ressources? Des questions intrigantes, mais aussi passionnantes, que nous nous sommes tous déjà posées. En effet, l'hypothèse que nous allions un jour vivre sur Mars est de plus en plus plausible. La NASA a même lancé un concours, le 3D Printed Habitat Challenge, qui consiste à trouver des designs d'habitats que l'on pourra créer directement sur la planète rouge, pour ne pas avoir à les transporter depuis la Terre. Une perspective excitante, mais aussi vertigineuse. Nous avons pu obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblerait la vie sur Mars le 8 novembre dernier. Encore une fois, grâce à la NASA. Le rover de la NASA Curiosity, en mission sur Mars depuis plus de 10 ans, a filmé son ombre sur le sol de la planète rouge pendant 12 heures. Le résultat de ce film n'est ni plus ni moins que le passage du temps sur Mars, de 5h30 à 17h30. Sur cette vidéo, on peut voir le soleil se déplacer sur les pentes du Mount Sharp. En fait, c'est un peu comme si nous étions sur Terre, mais en plein désert de roche. Même si tu te doutes bien que la vie sur Mars ne ressemblera pas à la vie sur Terre, il est difficile de ne pas comparer ces deux planètes qui sont voisines. D'ailleurs, cela fait longtemps que nous étudions Mars pour savoir si, comme la Terre, elle est habitée, ou tout du moins, habitable. Les premières traces de l'observation de Mars remontent aussi loin que l'Égypte antique, c'est-à-dire au 3e millénaire avant notre ère. Incroyable, n'est-ce pas? Ce fut pourtant bien plus tard que l'on commença à chercher des traces de vie sur Mars. Les premières recherches sérieuses à ce sujet remontent au 19e siècle. Il a fallu attendre le 20e siècle pour le premier survol de cette planète. 1964, les Américains envoient la sonde Mariner 4 en mission de survol au-dessus de la surface de la planète rouge. Son objectif principal, prendre des photos de Mars pour trouver des traces de vie et savoir à quoi ressemble vraiment notre voisine planétaire. Ce fut la première mission d'exploration de Mars par survol. Mariner 4 a effectué le premier survol le 14 juillet 1965. Et là, surprise! Alors que l'on pensait que Mars était très similaire à la Terre, les photos montrent en fait une planète aride, sans aucun signe d'océan, de rivière et de vie. Et ce n'est pas tout. Au cours de sa mission, Mariner 4 mesure la pression atmosphérique de Mars et l'estime à 6 HPA, contre 1013 HPA sur Terre. Autant dire qu'à une telle pression, il est impossible qu'il y ait de l'eau liquide à la surface de Mars. En plus, la planète rouge n'a pas de magnétosphère pour la protéger des rayons cosmiques. Mariner 4 a déçu de nombreux espoirs. Et pourtant, on continue encore aujourd'hui de chercher la vie sur Mars. Pourquoi? Parce que ces images ont aussi montré la présence de nombreux cratères sur la surface de la planète. Autrement dit, Mars aurait une activité volcanique, mais aussi météorologique, comme la Terre. En plus, ce n'est pas parce que la planète rouge ne peut pas abriter de vie humaine, ou de vie multicellulaire pour être plus précis, qu'il n'y a pas de vie du tout. Depuis Mariner 4, nous nous sommes concentrés sur la recherche d'organismes vivants simples comme des bactéries. Les bactéries, elles, sont susceptibles de vivre dans un environnement hostile, comme celui de la planète rouge.
après la mission des sondes Viking envoyées sur Mars au milieu des années 70 pour trouver des traces de micro-organismes, la recherche d'une vie unicellulaire sur Mars a été légèrement mise de côté, au profit d'une autre question tout aussi passionnante, la recherche d'eau liquide sur Mars. Ou plutôt, la recherche d'eau liquide dans le passé de la planète rouge. Car les observations de Mariner 4 ont été bien claires. Il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. Les conditions ne le permettent pas. Mais il y a pu y avoir de l'eau sur cette planète dans le passé. Aussi loin que remontent les observations de Mars, il semblerait que la planète n'ait pas encore livré tous ses secrets. Au cours de cette odyssée spatiale, nous allons retracer les dernières découvertes qui ont été faites sur Mars. Nous allons remonter le fil du temps de ces deux dernières années pour faire le point sur les dernières avancées des missions sur Mars. Alors, es-tu prêt à t'embarquer dans cette fabuleuse aventure à la découverte des secrets de la planète rouge? Mais avant de partir, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Accroche ta ceinture. Décollage immédiat. Nous avons quitté la troposphère et nous sommes maintenant en train de nous élever dans la stratosphère. Le voyage va être long. Mars est situé à 60 millions de kilomètres de la Terre. En attendant d'atteindre la planète rouge, nous allons en profiter pour replonger dans l'histoire de l'exploration martienne. Depuis plus de 25 ans, on utilise pour explorer la surface de Mars des robots mobiles, appelés rovers. Les rovers sont des astromobiles, autrement dit, des véhicules créés dans le but d'explorer un autre corps céleste que la Terre. Le 18 février 2021, le rover Perseverance a atterri sur le sol de notre planète voisine. C'est le cinquième rover de la NASA à se déplacer sur Mars, après Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity. Perseverance, c'est un peu le petit frère de Curiosity, qui avait atterri sur la planète rouge le 6 août 2012. Les deux rovers se ressemblent beaucoup. Tu peux avoir l'impression qu'ils sont petits, mais ils mesurent en réalité 2,20 m de haut et pèse près d'une tonne. Plus précisément, 899 kg pour Curiosity et 1025 kg pour Perseverance. Tu te demandes peut-être à quoi ont servi ces deux rovers de la NASA. Pour le comprendre, nous allons faire un petit saut dans le passé. Commençons avec le rover Curiosity, qui a succédé au rover Spirit et Opportunity. Développé par la NASA, Curiosity s'est posé sur Mars il y a un peu plus de 10 ans, le 6 août 2012. Son lieu d'atterrissage n'a pas été choisi au hasard. Il s'est posé dans le cratère Gale, qui était jadis, d'après les experts, entièrement recouvert d'un lac. Un lointain passé que l'astromobile va justement chercher à explorer. C'est tout l'objet de la mission de Curiosity. Les scientifiques de la NASA espèrent glaner des informations sur l'histoire géologique de Mars en étudiant de plus près le Mount Sharp, appelé aussi Aeolis Mons, au centre du cratère.
un objet d'étude de choix qui atteint 5,5 km au-dessus du plancher du cratère et qui est constitué de strates sédimentaires qui se sont lentement déposées pendant 2 milliards d'années. Cette mission devait durer une année martienne, soit 687 jours terrestres. Plus de 10 ans plus tard, le rover est encore en train d'arpenter les pentes rouges du cratère Gale. Et avec son aide, les chercheurs espèrent bien répondre à la question qui les intéresse. Y a-t-il eu un jour tous les ingrédients réunis pour accueillir la vie sur la planète rouge ? Aujourd'hui, Curiosity est un véritable laboratoire à lui seul. Au cours de ces 10 années, le rover a collecté et envoyé plus de 310 gigaoctets de données vers la Terre. Ces données ont fait l'objet de plus de 900 articles scientifiques. Continuons notre petit retour dans le passé, avec quelques découvertes de Curiosity qui ont marqué les esprits. Le rover a apporté sa contribution à un grand mystère qui plane autour de la planète rouge et qui intrigue les scientifiques. Y a-t-il ou non du méthane sur Mars ? Depuis quelques années, certaines observations ont rapporté la présence de méthane sur Mars, d'autres non. Alors, vrai ou faux ? Et pourquoi la présence de méthane intrigue-t-elle ? Curiosity, lui, a détecté des particules de méthane au moins 6 fois dans l'atmosphère de Mars. De très faibles quantités de méthane, comme une pincée de sel dans une piscine olympique. Logiquement, les scientifiques ont alors soupçonné Curiosity de produire lui-même le méthane qu'il détectait. Mais non, les analyses ont été formelles. Le méthane provenait bien de Mars. Une conclusion qui a étonné les scientifiques. Tout d'abord, parce qu'elle va à l'encontre des observations de la mission européenne ExoMars Trace Gas Orbiter, qui n'a détecté aucun méthane sur Mars. Mais aussi parce que sur Terre, 95% du méthane est produit par les organismes vivants, notamment les microbes qui aident les animaux à digérer. Alors oui, il est vrai qu'une petite partie du méthane terrestre provient de l'activité géologique de la Terre. Par exemple, dans les dorsales océaniques, l'eau de mer liquide est en contact avec des pierres appelées péridotites. Ce contact est à l'origine d'une réaction de serpentinisation qui dégage du méthane. Ce méthane est en grande majorité stocké au fond des océans, mais une petite partie se retrouve tout de même dans l'atmosphère de notre planète. Oui, mais quel que soit le procédé à l'origine de la production de méthane, les scientifiques étaient loin d'imaginer qu'on en trouverait sur Mars. Car nous n'avons détecté à ce jour sur Mars ni organismes vivants, ni eau liquide. Alors, d'où vient le méthane martien ? Mais il y a un autre mystère lié à ce méthane. Il s'agit d'une molécule stable, avec une espérance de vie de 300 ans sur Mars. Logiquement, le méthane devrait donc s'accumuler dans son atmosphère. Mais ce n'est pas ce que les scientifiques ont observé. Les observations montrent tout autre chose. Les concentrations de méthane sur Mars fluctuent et ne sont pas réparties uniformément. Et surtout, après les avoir mesurées, on ne les retrouve plus dans l'atmosphère. Les chercheurs ont fini par trouver une explication possible à ce mystère. Les observations de Curiosity ont été surtout faites la nuit, car son instrument, le TLS, est tellement gourmand en énergie qu'il ne peut fonctionner que lorsque les autres appareils sont à l'arrêt.
Il semblerait alors que le méthane n'est présent sur Mars que la nuit. Comment est-ce possible? La nuit, le méthane suinterait du sol. En journée, il serait brassé dans l'atmosphère et dilué à des quantités qui ne peuvent plus être détectées par nos instruments. Le deuxième mystère lié au méthane martien, c'est pourquoi il ne s'accumule pas dans l'atmosphère de la planète, alors qu'il a une durée de vie de 300 ans. Quelque chose détruirait le méthane, mais on ne sait pas encore quoi exactement. Des décharges électriques causées par la poussière martienne, l'impact d'un abondant oxygène de surface. Le dernier mystère à résoudre est celui de l'origine de ce méthane martien. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Un volcanisme actif. L'impact de comètes. Des micro-organismes producteurs de méthane présents dans les profondeurs de la planète, là où la température permettrait le maintien de l'eau liquide. L'hypothèse d'un volcanisme actif sur Mars à ses adhérents. Surtout qu'en 2015, Curiosity a fait une autre découverte qui a fait la une des journaux. Un minéral rare témoin d'une potentielle activité volcanique. Ce minéral extrêmement rare sur Terre est la tridymite. Il se forme lorsque la lave riche en silice atteint de hautes températures et entre en contact avec de l'eau. À première vue, cela semble impossible sur Mars, où aucune trace d'eau liquide n'a encore été trouvée. Les scientifiques se sont penchés sur ce casse-tête et ont trouvé une possible explication. Il se pourrait qu'il y ait une chambre magmique sous le cratère Gale. Le magma s'est peu à peu refroidi au cours du temps. Les minéraux riches en silice se seraient développés dans cette chambre magmatique et, lors d'une éruption volcanique, auraient été éjectés. Avec le vent, ils auraient été déplacés et seraient entrés en contact avec l'eau du lac qui se trouvait dans le cratère Gale. Ainsi, la tridymite aurait pu se former par cristallisation, théoriquement en tout cas. Car personne ne soupçonnait que la formation de tridymite, un minéral extrêmement rare sur Terre, pouvait se produire sur Mars. Il semblerait alors que Mars ait autrefois été le théâtre d'une activité volcanique beaucoup plus violente qu'on aurait pu le penser. Le rover Curiosity a été à l'origine d'une autre découverte importante en 2016. La découverte sur Mars d'un élément chimique que l'on retrouve sur Terre dans les zones arides où beaucoup d'eau s'est évaporée, le bore. Dans le cadre de sa mission, le robot de la NASA arpente les flancs du Mont Sharp et analyse les couches sédimentaires tous les 25 mètres. L'un des échantillons prélevés a révélé la présence de plusieurs éléments, comme le soufre, le nitrogène, l'oxygène, le phosphore ou le carbone, mais aussi le bore. Tous ces éléments sont utiles pour nourrir une vie microbienne. Quant au bore, il sert à stabiliser les sucres utilisés pour fabriquer l'ARN, un acide nucléique présent chez pratiquement tous les êtres vivants et chez certains virus. Est-il possible qu'une forme de vie se soit développée dans ce cratère qui abritait autrefois de l'eau il y a des milliards d'années? Mais même si toutes les conditions étaient réunies, cela ne signifie pas qu'il y a bel et bien eu une vie microbienne sur Mars à cet endroit-là. Il nous manque encore des preuves. Au fil des années,
Les observations de Curiosity ont considérablement fait avancer notre compréhension de la planète rouge. Mais elles ont aussi été précieuses pour la science, au sens large du terme. Par exemple, au cours de ses nombreux déplacements sur les collines de Mars, le rover a remarqué que les roches empêchaient les rayons ionisants de l'atteindre. Ces roches pourraient-elles remplacer la magnétosphère qui manque à notre planète voisine ? Une information qui pourra s'avérer précieuse au moment de préparer de futurs voyages d'astronautes vers la planète rouge. La mission de Curiosity devrait se prolonger jusqu'en septembre 2025 et peut-être même jusqu'en 2030. D'ici la fin de sa mission, le rover va s'atteler à étudier une région qu'il n'a pas encore parcourue, dont le sol est principalement composé de sulfate. Ces analyses devraient nous en apprendre davantage sur la transition climatique qui a provoqué l'aridité que l'on observe aujourd'hui sur Mars. Depuis février 2021, Curiosity n'est plus seul dans sa mission. Il travaille désormais avec un autre rover de la NASA, Perseverance. Allons voir cet astromobile de plus près. Le 18 février 2021, le rover Perseverance vient de se poser sur Mars, dans le cratère Jezero, accompagné de son collègue le drone Ingenuity. Ces deux robots sont là pour une raison, mener à bien la mission Mars 2020. Une mission estimée à 2,5 milliards de dollars et en laquelle les scientifiques placent beaucoup d'attentes. En quoi consiste cette mission exactement ? L'idée est de collecter des échantillons dans le sol de la planète rouge et de les ramener sur Terre. Ces échantillons serviront principalement à mieux comprendre le passé géologique de notre voisine et peut-être trouver des traces de vie microbienne, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Et pourquoi pas ? À une époque, Mars avait une atmosphère plus dense et elle disposait de riches ressources en eau, un peu comme la Terre. Les experts ne pensent pas qu'elle abritait de formes de vie intelligentes. On cherche donc plutôt des traces de micro-vie primitive. Grâce à Perseverance, la NASA dispose maintenant de deux rovers actifs sur Mars. L'un des instruments du rover est la Supercam. C'est en fait, en quelque sorte, l'œil du rover. La Supercam se compose de spectromètres, d'une caméra et d'un microphone. Perseverance est aussi pourvu d'une foreuse grâce à laquelle il peut fouiller le sol de Mars. Avec tout ça, le rover est bien équipé. Les échantillons collectés par Perseverance seront analysés à leur retour sur Terre. En attendant, ils sont scellés dans des tubes et stockés par le rover qui est parfaitement autonome dans sa mission. Si Perseverance prélève des échantillons qui prouvent l'existence de la vie sur Mars, il faudra attendre son retour sur Terre pour le savoir. En tout cas, ce sera une première. Jamais des échantillons n'ont été ramenés de l'espace pour être analysés sur Terre en vue de rechercher des traces possibles de la vie. Le rover a aussi été envoyé sur Mars pour tester des technologies en vue d'une potentielle colonisation martienne. Il a par exemple testé une méthode pour produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars. Le 20 avril 2021, 5,4 g d'oxygène ont été produits à partir de dioxyde de carbone, soit suffisamment d'air respirable pour 10 minutes. Perseverance doit aussi analyser les conditions météorologiques sur place pour déterminer ce qui pourrait affecter des astronautes en mission sur Mars.
des missions qui semblent prometteuses. D'autant plus que le cratère Jezero est un site intéressant. Cette structure d'impact de 49 km de diamètre abrite un delta qui se serait formé à l'endroit où de l'eau se jetait dans un lac. La région devait donc jadis être riche en eau liquide. Les experts ont estimé qu'il y a environ 3,5 milliards d'années, le cratère Jezero abritait un vaste lac martien de 250 mètres de profondeur. Perseverance n'a pas été posée seule sur Mars. Un drone hélicoptère du nom d'Ingenuity l'accompagne dans sa mission. Mais à quoi sert cet hélicoptère d'à peine 1,8 kg qui ne transporte aucun instrument à part des caméras? Ingenuity est un véritable pionnier. C'est le premier drone hélicoptère de l'histoire à être déployé sur un corps céleste autre que la Terre. Il a été envoyé comme test sur Mars. Car faire voler un hélicoptère sur la planète rouge reste un défi. Il faut que l'appareil soit capable de monter seul dans l'atmosphère de Mars, où la pression atmosphérique est beaucoup plus basse que sur Terre. Mais il y a aussi d'autres défis à relever. Le froid, l'autonomie. Mais le 19 avril 2021, Ingenuity a brillamment relevé le défi en réalisant son premier vol stationnaire réussi. Depuis le début de leur mission, Perseverance et Ingenuity ont dépassé les espoirs des scientifiques. Quelques semaines après son arrivée sur Mars, les chercheurs ont allumé les micros du rover. Nous avons ainsi pu découvrir les sons sur Mars. En 2021, le rover a quitté son site d'atterrissage pour commencer ses opérations de forage en quête de biosignatures. Ces biosignatures peuvent être par exemple des traces de sels minéraux ou de matières organiques. L'idée est de prouver qu'une vie microbienne a bien existé sur Mars lorsque la planète abritait encore de l'eau liquide. Après un premier forage ayant échoué, une seconde tentative a été faite en septembre et réussie. Une mécanique s'est alors mise en place. Ingenuity joue le rôle d'éclaireur pour le rover qui continue ses forages. En janvier 2022, le bras de Perseverance a été bloqué pendant plusieurs jours à cause de roches bloquant le mécanisme. Mais le rover porte bien son nom. La petite routine mise en place par les deux collègues robotisés a continué. Pendant que les rovers continuent leur mission sur Mars, les chercheurs de la NASA et de l'ESA prévoient déjà les prochaines missions, à commencer par celle qui permettra le retour des prélèvements sur Terre, probablement en 2026. Concrètement, comment les chercheurs pensent-ils récupérer les prélèvements de Perseverance? L'idée est d'envoyer deux engins sur Mars. Un rover qui sera chargé de récupérer les tubes. Et une fusée équipée d'un conteneur. La fusée décollerait de la surface martienne pour placer le conteneur en orbite autour de Mars. L'engin spatial Earth Return Orbiter, ERO, récupérera le conteneur et le rapportera jusqu'à la Terre. Avec ce procédé, si tout se passe bien, les échantillons prélevés par Perseverance pourraient être de retour sur Terre en 2031.
Un troisième rover se trouve actuellement sur Mars, avec des missions similaires à celles de Curiosity et Perseverance, le rover chinois Zhurong. Arrivé sur la planète rouge le 14 mai 2021, peu après Perseverance, c'est le premier rover chinois à fouler le sol de Mars. Car jusqu'à présent, seule la NASA avait la capacité d'envoyer ses engins sur la planète rouge. Comme Curiosity et Perseverance, Zhurong souhaite trouver d'hypothétiques traces de sels minéraux et de matières organiques. Mise en hibernation au printemps 2022. Le rover chinois devait se réveiller en décembre 2022, lorsque les températures martiennes auraient remonté. Mais les images récentes montrent qu'il est toujours immobile sur la surface de la planète rouge. Et ses panneaux solaires se recouvrent peu à peu de poussière. Heureusement, les scientifiques chinois ont une grande quantité de données à exploiter en attendant le réveil du rover. Et il semblerait que le rover ait eu le temps de faire une découverte majeure avant son hibernation. Zhurong a en effet découvert des traces d'eau liquide dans des dunes de sable martienne qui se sont formées il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. Ces dunes sont situées à l'endroit où a atterri le rover le 15 mai 2021, dans la partie sud d'Utopia Planitia. Les données recueillies par Zhurong sont étonnantes. La surface de ces dunes est encroûtée et parsemée de fissures et autres traces qui se forment habituellement par des interactions avec des fluides. Mais ce n'est pas tout. La composition de la surface de la dune est riche en éléments comme les sulfates hydratés, l'opale CT, les oxydes de fer et les chlorures. Une signature chimique typique de réaction avec de l'eau liquide. Des réactions qui se seraient produites relativement récemment, puisque les dunes sont âgées de seulement 1,4 à 0,4 millions d'années. Ces observations sont inédites. Il pourrait y avoir eu de l'eau liquide sur Mars dans un passé très récent, même si on est loin des quantités des anciens lacs, des cratères Gale et Jezero. Les chercheurs pensent que cette eau liquide pourrait être le résultat du transfert de vapeur d'eau des calottes polaires vers l'équateur, lors de périodes de refroidissement des basses latitudes de Mars. Autrement dit, cette région aurait présenté à plusieurs reprises des températures plus favorables que le reste de Mars, avec de l'humidité propice à la vie. Des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe, les agences spatiales internationales envoient sur Mars des équipements toujours plus sophistiqués. Mais des indices arrivent aussi directement de Mars sur la Terre, comme la météorite Black Beauty. En 2011, on a découvert, dans le désert occidental du Sahara, au Maroc, de mystérieux fragments provenant d'une roche inconnue qui se serait écrasée sur Terre des milliards d'années auparavant. Cette roche mystérieuse, de couleur noire, a été surnommée Black Beauty. Son vrai nom est plus compliqué, Northwest Africa 7034, ou NWA 7034. Les scientifiques ont prélevé de nombreux échantillons de cette roche pour conclure qu'elle venait de notre planète voisine. Black Beauty était donc composée de roches martiennes vieilles de 4,5 milliards d'années. Un vrai cadeau du ciel. Après de plus amples recherches,
On a finalement estimé que cette roche se serait formée durant les tout débuts du système solaire, alors que les croûtes martiennes et terrestres n'étaient pas encore terminées. On a aussi pu identifier le cratère d'origine de cette mystérieuse roche parmi près de 80 000 cratères d'impact candidat. Ce cratère, situé dans l'hémisphère sud de la planète rouge, a été appelé le cratère Karata. Mais comment Black Beauty a-t-elle atterri sur Terre? Nous sommes il y a 5 à 10 millions d'années. Un astéroïde entre en collision avec Mars et crée le cratère Karata. Des fragments de croûte martienne sont éjectés dans l'espace. Parmi eux, Black Beauty, éjecté à une vitesse de 5 km par seconde. La roche parcourt l'espace pendant 5 à 10 millions d'années et finit par se retrouver sur Terre. L'étude de Black Beauty est cruciale. Cette roche contient les plus anciens fragments martiens jamais trouvés, vieux de 4,48 milliards d'années. Ces fragments montrent des similitudes étonnantes entre la très ancienne croûte terrestre de Mars et les continents de la Terre d'aujourd'hui. Selon certains chercheurs, Black Beauty détiendrait même le secret des 10 premiers millions d'années de l'histoire de Mars et, par extension, de toutes les planètes telluriques, dont la Terre. Sur Terre, il est impossible de trouver des roches aussi anciennes, car la tectonique des plaques les ramène vers le noyau. Cette petite roche de seulement 320 grammes est précieuse pour comprendre l'histoire de Mars. Et nous n'avons même pas eu à aller la chercher sur Mars. La suite de cette histoire? Les scientifiques aimeraient envoyer une sonde sur Mars pour explorer cette zone et exploiter cette piste qui nous est littéralement tombée du ciel. L'idée étant de glaner de précieuses informations sur la formation des planètes rocheuses il y a 4,5 milliards d'années. Et pourquoi pas comprendre enfin pourquoi, jusqu'à présent, on n'a encore jamais trouvé d'équivalent de notre Terre dans l'immensité de l'espace. Nous sommes maintenant arrivés à destination. Devant toi se trouve la planète Mars, la planète rouge, notre voisine dans le système solaire, et qui pourtant recèle encore tant de secrets. Depuis que le rover Perseverance et son collègue Ingenuity ont rejoint Curiosity à la surface de Mars, de nouvelles découvertes ne cessent de remettre en question nos acquis. Presque tous les mois, des publications scientifiques révèlent des secrets bien gardés de la planète rouge. Nous allons nous pencher sur les dernières découvertes sur Mars. Commençons par remonter le temps 2 ans auparavant. Nous sommes en mars 2022. Une photo du rover Curiosity attire l'attention des scientifiques. Il s'agit d'une concrétion minérale d'à peine 1 cm de large, en forme de fleur, qui présente une ressemblance troublante avec nos roses des sables terrestres. Elle a été nommée Blackthorn Salt. Tu comprendras pourquoi dans quelques instants. Comme tu peux le voir sur cette photo, la concrétion possède plusieurs bras qui sont reliés à la base. Rien de très étonnant, car ce n'est pas la première fois qu'une telle formation est photographiée sur Mars. En 2008, le rover Spirit avait photographié toute une série de concrétions de ce type, dans le cratère Gusev, surnommé les Cauliflowers. Mais cette fois, les scientifiques se sont penchés sur le processus de formation de cette rose des sables martienne.
Elle résulterait d'un réarrangement de minéraux, un processus associé à la présence d'eau saturée en sulfate. En un mot, cette concrétion se formerait comme nos roses des sables sur Terre. En effet, elle fait penser par son aspect à une concrétion évaporitique. Les évaporites sont des roches sédimentaires comme le gypse ou le sel gemme qui se forment par cristallisation dans des bassins peu profonds soumis à une forte évaporation. On les trouve par exemple dans les lagunes ou dans la mer morte. Les roses des sables terrestres ne sont autres que des cristallisations de gypse dans un milieu sableux comme le désert, d'où leur magnifique couleur orangée. Elles ne se forment pas exactement de la même façon que le gypse de la mer morte, par exemple. Mais le processus reste similaire. Dans un milieu non consolidé, comme le sable, les cristaux de gypse sont imbibés par une nappe phréatique riche en sulfate de calcium. Au fur et à mesure de l'évaporation de la nappe phréatique, elle se concentre en ions, jusqu'à ce que la saturation permette la cristallisation des minéraux. Les cristaux de gypse vont alors grandir en repoussant le sable qui les entoure. C'est pourquoi sur Terre, les roses des sables sont trouvées enfouies sous plusieurs mètres de sable. La concrétion martienne pourrait résulter du même type de processus. Curiosity l'a trouvé dans le même type de sol, un sol sableux, mais en surface et non enfoui dans le sable, certainement à cause de l'érosion due au vent martien. Cette découverte en dit long sur la présence d'eau dans le sol de la planète rouge. Il y aurait donc probablement de l'eau sous forme de saumure dans le sous-sol de Mars. Et pourquoi Blackthorn Salt? Parce que cette rose des sables ressemble davantage à une fleur de prunelier, le blackthorn en anglais, qu'à une rose. Continuons à avancer dans le temps, à la recherche des derniers secrets dévoilés de la planète rouge. Nous sommes maintenant le 4 mai 2022. Alors que la mission de Perseverance ne fait que commencer, celle de la sonde InSight de la NASA arrive bientôt à son terme. Posée sur Mars le 26 novembre 2018, elle a terminé officiellement sa mission en décembre 2022. InSight est équipée d'une sonde de flux thermique et d'un sismomètre. Son objectif, analyser le développement géologique de Mars. Les données recueillies par cette sonde de la NASA nous ont permis de confirmer que la Terre et Mars sont assez similaires en termes de structure. À quelques différences près, la planète rouge a un noyau liquide plus important et une croûte plus fine que ce que l'on avait prédit. À quelques mois de la fin de sa mission, la sonde InSight a enregistré le plus important séisme martien jamais enregistré. C'est en fait le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré sur une planète étrangère. Ou plutôt, devrait-on parler de tremblement de Mars. Car sur la planète rouge, il existe des phénomènes similaires à nos tremblements de terre, même s'il n'y a pas de mouvement de plaque tectonique. Depuis 2018, la sonde InSight s'est attelée à enregistrer toutes ces secousses martiennes pour en étudier les causes. Le 4 mai, c'est le jackpot. InSight enregistre un tremblement martien d'une magnitude de 4,7 qui a duré plus de 6 heures. Parmi les plus de 1300 secousses enregistrées par InSight, celui-ci est de loin le plus important. Quelle pourrait être la cause d'un séisme d'une telle ampleur si Mars n'a pas de tectonique des plaques ?
L'hypothèse la plus probable est la suivante. Une grosse météorite aurait percuté la planète rouge. À l'aide de toutes les sondes actuellement en orbite autour de Mars, les scientifiques ont cherché des traces d'une éventuelle collision. Rien. S'il y avait eu une telle collision, on aurait trouvé des projections de poussière dans l'espace. Un nouveau cratère d'impact serait apparu à la surface de Mars, d'un diamètre estimé à 300 mètres. Mais rien n'a été trouvé. Il ne s'agit donc pas d'une collision. Seule explication possible. Ce séisme de magnitude 4,7 provient de l'activité interne de Mars. Parce que le refroidissement de la croûte martienne n'est pas homogène, cela pourrait générer des tensions. Ces tensions pourraient aboutir à des relâchements de contraintes mécaniques plus importants qu'on ne le pensait. Les experts ne sont pas encore sûrs à 100% de l'explication de ces séismes. Tout ce que l'on sait, c'est que plus on en saura sur la formation du manteau martien, sur les courants magmatiques à l'œuvre sur Mars, ou sur la raison de la perte du champ magnétique de Mars dans le passé, plus on sera à même de résoudre ces mystères. Avançons encore un peu plus dans le temps. Nous sommes le 27 octobre 2022. La NASA annonce la découverte d'un gigantesque cratère d'impact de météorite sur Mars. Une première depuis que l'on observe la planète rouge. Cet impact de météorite de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur a été, une fois encore, découvert par la sonde InSight. C'est le cratère causé par une météorite le plus grand jamais découvert sur une planète. À proximité, un deuxième cratère a été découvert, de 130 mètres de diamètre. La NASA a reconstitué le portrait robot de la météorite qui aurait causé un tel impact. Sa masse serait comprise entre 250 et 650 tonnes, pour une taille de 5 à 12 mètres. La vitesse d'impact aurait été de 7,5 km par seconde. Les impacts causés par cette météorite géante remontent au 24 décembre 2021. La sonde InSight avait alors enregistré un séisme de magnitude 4 à la surface de la planète rouge. Les secousses causées par le choc auraient fait surgir des morceaux de glace de la taille d'un rocher, que tu peux voir en blanc sur la photo diffusée par la NASA. Il est déjà fascinant d'avoir observé ce phénomène, car de telles collisions n'ont plus eu lieu sur Terre depuis des siècles. Mais il est aussi fascinant d'avoir pu trouver un impact de cette taille. Cet impact a permis de faire émerger des blocs de glace, glace se situant sous la surface martienne. Or, qui dit glace, dit eau liquide. Qui dit eau liquide, dit vie potentielle, mais aussi ressource pour une future installation humaine sur Mars. Ce n'est pas la première fois que l'on découvre de la glace sur Mars. Même s'il est vrai qu'en découvrir dans une région aussi proche de l'équateur martien reste inhabituel. En 2018, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter avait observé de la glace sur Mars en 8 endroits. Comme tu peux le voir sur la photo qui avait été diffusée à l'époque, la glace était répartie en couches superposées, à quelques mètres seulement sous la surface de Mars et jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et ce, à flanc de 8 falaises martiennes dans les hémisphères nord et sud de la planète rouge, à des latitudes comprises entre 55 et 58 degrés. Une découverte qui a fait sensation dans le monde scientifique, même si on savait déjà qu'il y avait de l'eau glacée sur Mars.
Dès les années 1780, l'astronome britannique William Herschel observait déjà les variations de la taille des calottes polaires au fil des saisons. En 2004, la sonde européenne Mars Express a confirmé la présence de glace, de même que les échantillons rapportés par l'atterrisseur Phoenix en 2008. Mais c'était à une latitude de 68 degrés, près du pôle nord martien, et non si proche de l'équateur comme en 2018 ou en 2022. En tout cas, toutes ces observations d'eau glacée ont permis de confirmer que Mars est une planète gelée. Elle est recouverte d'un sol gelé en permanence au niveau de l'équateur et superficielle au-delà de 45 degrés de latitude. La température à la surface de Mars est presque toujours négative et peut descendre jusqu'à moins 140 degrés Celsius en hiver. Par contre, il se peut qu'une face éclairée par le Soleil franchisse le seuil de 0 degrés Celsius et jusqu'à 20 degrés Celsius en été à l'équateur et en plein jour. La glace alors ne fond pas, elle se sublime. Autrement dit, l'eau passe d'un état solide à un état gazeux. L'eau ne peut pas subsister à l'état liquide sur cette planète à l'atmosphère trop ténue. On en a l'exemple même sur Terre. Au sommet de l'Everest, où la pression atmosphérique est plus faible, l'eau bout à une température plus basse, 60 degrés Celsius, au lieu de 100 degrés Celsius. Et encore, la pression atmosphérique au sommet de l'Everest est de 34 kilopascals. Alors, imagine sur une planète comme Mars, où la pression varie entre 0,03 kilopascals et 1,15 kilopascals. Mais alors, comment se sont formées ces couches de glace à flanc des monts martiens découverts en 2018 ? Selon les chercheurs, il ne s'agit pas d'eau liquide qui aurait ruisselé puis gelé. Cette hypothèse, connaissant les conditions sur Mars, semble peu probable. Ce qui est possible, en revanche, c'est qu'il s'agisse d'amas de neige provoqués par le vent ou de dépôts de condensation. Ces dépôts se sont formés de manière périodique, selon l'oscillation de l'axe de rotation de Mars, dont l'inclinaison varie plus lentement, mais avec davantage d'amplitude que sur Terre. Il ne nous reste plus qu'à prélever des échantillons dans cette zone pour en savoir plus sur ce qui a causé ces couches successives de glace à peine enfouies. La découverte de glace sur Mars est prometteuse aussi pour les futures missions habitées. Les astronautes qui se poseront un jour sur Mars auront besoin d'extraire de l'eau des sous-sols martiens pour pouvoir la stocker et la boire. Cette eau pourra aussi servir, sous forme gazeuse, à fabriquer de l'oxygène et à alimenter les fusées en carburant grâce au méthane extrait. Décembre 2022. La NASA photographie une étrange forme géologique à la surface de la planète Mars. Une forme qui ressemble étrangement à une tête d'ours. Une tête d'ours sur Mars, voilà qui amuse immédiatement les scientifiques et le grand public. Regarde bien, sur la photo, tu peux voir une colline avec une structure effondrée en forme de V qui représente le nez de l'ours. Deux cratères qui forment les yeux et un motif circulaire, la tête de l'ours. Ce motif circulaire, tu t'en doutes, n'a rien à voir avec un ours. Il serait plutôt dû au recouvrement d'un cratère par un dépôt de boue ou de lave. Car il s'agit en fait ni plus ni moins d'un cratère situé à 251 km au-dessus de la région de Terra Sirenum, dans l'hémisphère sud de Mars. Une découverte qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui a fait le tour de la planète.
Cette photo insolite, diffusée par l'Université de l'Arizona, est devenue virale, notamment sur Twitter, où elle a été relayée par le compte dédié au satellite Mars Reconnaissance Orbiter. C'est en effet le satellite MRO qui a capturé cette image, avec sa caméra embarquée IRIZE. On dit que cette caméra est tellement puissante qu'elle pourrait photographier une table de cuisine depuis l'espace. Cette photo de l'ours martien n'est pas la première à avoir fait le buzz par son aspect insolite. Régulièrement, des images diffusées par la NASA laissent apparaître des formes reconnaissables. Un cliché de persévérance diffusé en avril 2021 avait déjà fait parler de lui. On pouvait y voir comme la silhouette d'un homme allongé sur un rocher, au milieu du sable sur Mars, en train de bronzer. Un ufologue américain avait même essayé de prouver que c'était bien un homme qui avait été photographié, et qu'il s'agissait là d'une preuve à 100% de la vie intelligente. L'ufologue était allé jusqu'à souligner des traces de pas derrière la personne qui menait à l'endroit où il s'était allongé. Ce phénomène qui pousse notre cerveau à voir des formes reconnaissables comme des visages ou des animaux, là où il n'y en a pas, porte un nom, la péréidolie. C'est ce même phénomène qui se produit lorsque tu regardes le ciel et que tu vois des formes dans les nuages. Dans le cas de l'homme allongé sur un rocher, comme dans le cas de la tête d'ours, il s'agit bien d'une péréidolie. Preuve que, parfois, observer les choses de notre perspective d'être humain peut entraver la bonne interprétation de ce que l'on voit. Février 2023, la NASA annonce avoir découvert ce qu'elle qualifie de la meilleure preuve à ce jour de l'existence de lacs sur Mars. Revenons un peu en arrière. Aujourd'hui, Mars est un monde désolé, aride et asséché, balayé par les tempêtes de poussière. Un monde encore plus hostile que les déserts terrestres. Les températures sur la planète rouge dépassent rarement 0 degré Celsius et peuvent même atteindre moins 140 degrés Celsius en hiver et la nuit. La pression atmosphérique est très faible, avec une moyenne de 6 hectopascales. Il est évident qu'il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Mais Mars n'a pas toujours été une planète aussi désertique. Dans les années 1970, les sondes Mariner et Viking avaient mis en évidence d'énormes chenaux d'écoulement sur la planète rouge et de véritables canyons qui auraient très probablement été creusés par de l'eau liquide il y a des milliards d'années. Des conclusions qui ont été confirmées par les récentes missions sur Mars. Il y aurait peut-être même eu sur Mars, comme sur la Terre, de grands lacs qui sont maintenant asséchés. Si de l'eau a coulé sur Mars dans un passé lointain, c'est parce que son atmosphère devait être plus dense qu'aujourd'hui et ses températures plus élevées. Les chercheurs pensent que peu après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, Mars ressemblait beaucoup à la Terre. Ce qu'ils cherchent désormais à découvrir, c'est pourquoi le climat martien a-t-il changé si drastiquement ? Comment Mars a-t-elle perdu son atmosphère ? Et surtout, que sont devenues les énormes quantités d'eau qui ont un jour coulé sur la planète rouge ? Actuellement, la mince atmosphère de Mars est composée à 95% de gaz carbonique et ne contient donc que des quantités infimes d'eau. Une partie de cette vapeur d'eau se condense sous forme de glace à la surface de Mars, notamment vers le pôle Nord où elle forme une calotte de glace permanente. On peut aussi voir de fins nuages de glace dans l'atmosphère de Mars, toujours dans l'hémisphère Nord. Mais tout cela
n'est qu'une infime partie de la quantité d'eau qu'il y avait auparavant sur Mars. Des quantités considérables ont dû s'en échapper au cours du temps, échappant à l'attraction gravitationnelle de Mars. Pour les chercheurs, l'eau restante se trouverait dans la croûte martienne sous forme de pergélisol. Autrement dit, il y aurait une couche de gel permanente dans la croûte martienne. Mais attention, tout cela ne veut pas dire que Mars est inactive et figée depuis toutes ces années. Il y aurait eu des résurgences d'eau, comme le montrent de multiples marques trouvées par les sondes en orbite autour de Mars. Les scientifiques expliquent cela par des épisodes de réchauffement induits par la forte inclinaison de l'axe des pôles martiens. Ces épisodes de réchauffement auraient permis la fonte partielle du pergélisol, notamment à haute latitude. Pendant ces périodes, la pression atmosphérique et l'effet de serre auraient augmenté, rendant temporairement possible la résurgence d'eau liquide à la surface de la planète rouge. Un scénario sans cesse confirmé par des découvertes de traces laissées par de l'eau liquide sur la surface aride et rocailleuse de Mars. La dernière en date, le 8 février 2023, la découverte par la NASA de traces de vagues d'eau sur la surface de Mars. Une découverte majeure qui pourrait fournir une preuve de l'existence d'un lac sur la planète rouge. Cette fois-ci, c'est le rover Curiosity qui a découvert ces traces incontestables de la présence d'eau liquide sur Mars dans le passé. Curiosity a trouvé des roches dont la surface est marquée par des ondulations potentiellement liées à des vagues. Depuis son arrivée sur Mars, le rover gravit les pentes du Mont Sharp à la recherche d'indices sur le passé de la planète. C'est à environ 800 mètres au-dessus du sol, dans une zone surnommée le Marker Band, qu'il a photographié ces roches ondulées qui ont été miraculeusement préservées. Une découverte étonnante dans cette région de Mars que les scientifiques imaginaient plus sèche. Pour les chercheurs, c'est non seulement la meilleure preuve d'un lac martien jamais trouvé à ce jour, mais c'est aussi un indice majeur de la complexité du climat sur Mars. Ces pierres montrent que la transformation de Mars d'une planète humide à une planète sèche et froide a été très complexe. Une découverte qui nous montre que, comme la Terre, Mars était aussi une belle planète avec un climat et des conditions météorologiques complexes. Les pierres ondulées n'ont pas pu être analysées pour le moment. Curiosity n'a pas pu en extraire d'échantillons à cause de leur dureté. Mais les chercheurs ne se découragent pas. Ils espèrent maintenant trouver de nouvelles roches ondulées, plus tendres, qui pourront être analysées et révéler leurs secrets. Perseverance a aussi récemment découvert un ancien lac, cette fois-ci dans le cratère Jezero, où il se trouve depuis son atterrissage sur Mars. Entre le 28 février et le 9 mars 2023, le rover de la NASA a réalisé une série de clichés qui nous font se poser des questions. Et si la planète rouge abritait non pas des lacs tranquilles, mais des rivières tumultueuses, avec des courants, des torrents et des cascades? C'est ce que suggèrent les clichés de Perseverance. Les scientifiques pensent que le cratère Jezero, exploré actuellement par le dernier rover de la NASA, aurait abrité une rivière tumultueuse. Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? C'est grâce au panorama pris par l'instrument MASCAM-Z du rover lorsque celui-ci se trouvait dans l'ancien lit de cette rivière. Ce pourrait être l'une des rivières les plus profondes jamais découvertes sur Mars. Comment sait-on que cette rivière était tumultueuse? En fait, c'est la taille des sédiments qui tapissent le fond de la rivière qui témoigne de la force du courant.
car plus les morceaux sont volumineux et lourds, plus la rivière devait être agitée pour pouvoir les déplacer. Mais ce n'est pas tout. Les clichés de persévérance montrent autre chose. On peut voir d'importantes strates incurvées, qui montrent que le courant était puissant à cet endroit-là. En revanche, les scientifiques ne savent pas exactement à quoi ressemblait le paysage à l'époque où une rivière puissante coulait encore dans le cratère Jezero. La roche était-elle méandriforme, c'est-à-dire qu'elle ondulait à travers le paysage? Était-elle en tresse, avec des barres sableuses dans le lit de la rivière et de petits îlots? Des milliers d'années d'érosion nous empêchent de le savoir précisément. Mais les scientifiques n'abandonnent pas l'espoir de pouvoir retracer un jour les paysages martiens d'il y a des milliers d'années. Les investigations vont se poursuivre grâce à Persévérance, et les chercheurs ont confiance en l'issue positive de ces recherches. C'est d'ailleurs pour cela que le cratère Jezero avait été choisi comme lieu d'atterrissage de Persévérance. Depuis l'orbite de Mars, de nombreux indices laissaient à penser que cette dépression avait un jour accueilli un lac. Persévérance avait rapidement prouvé l'existence d'anciens dépôts deltaïques. Or, qui dit delta, dit eau liquide. Par contre, l'analyse des roches magmatiques du sol du cratère ne montrait qu'une très légère altération par l'eau. Aucune trace de sédimentation lacustre n'avait été retrouvée non plus. Autrement dit, il était peu probable qu'il y ait eu un lac pérenne dans le cratère. Pour expliquer l'absence de sédiments lacustres, les chercheurs avaient trouvé plusieurs explications possibles. Les sédiments ont été ensevelis sous les roches volcaniques, où ils ont été érodés par le vent. Mais l'observation plus détaillée des roches de certaines parties du cratère a montré qu'elles ont bien été altérées par un fluide, mais en plusieurs fois. L'hypothèse du lac avait donc été écartée. Il ne s'agissait pas là d'une altération continue liée à de l'eau statique. Les détails de ces altérations successives restent non élucidés, mais cette découverte avait été prometteuse. Alors oui, on a trouvé des traces d'une rivière tumultueuse dans le cratère Jezero, mais aucun ou très peu d'indices de gaz H2 et de fer, source d'énergie indispensable à la vie microbienne sur Terre. Rassure-toi, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de molécules organiques dans cette rivière. Peut-être qu'il y en avait, mais de manière très clairsemée. Ou peut-être qu'elles utilisaient une source d'énergie différente, encore non identifiée par les scientifiques. Août 2023. La recherche sur Mars avance à grands pas avec une autre découverte majeure publiée dans la fameuse revue Nature. Une découverte de taille, puisque ce sont de possibles traces de vie qui ont été trouvés sur la planète rouge. À l'origine de cette étude, des chercheurs toulousains et lyonnais, avec le concours du CNES, du Canada et des États-Unis. Ces scientifiques ont découvert sur Mars des témoins fossiles d'un climat cyclique, organisé en saisons sèches et humides, comme sur Terre. Une découverte qui s'ajoute à la découverte de molécules organiques simples par Curiosity. Autrement dit, on a là les ingrédients d'un environnement propice à l'apparition de composés organiques complexes, et donc de la vie. Tu l'as compris maintenant, la surface de la planète Mars n'est pas constituée comme celle de la Terre. Elle n'est pas renouvelée par la tectonique des plaques. Cela a permis de préserver de vastes terrains de rivières et de lacs fossiles datant de plusieurs milliards d'années. Depuis 2012, Curiosity explore ces vestiges.
Au cours de sa longue mission sur la planète rouge, le rover a pu détecter la présence de molécules organiques simples qui ont pu avoir été formées par des processus géologiques ou biologiques. Mais pour qu'il y ait émergence de formes de vie primitives, il faut des conditions environnementales favorables. Il faut que les conditions soient propices pour que les molécules organiques simples s'organisent en composés organiques complexes. C'était la pièce qui manquait au puzzle jusqu'à cette découverte annoncée le 9 août 2023. Grâce à Curiosity, l'équipe de chercheurs a découvert des dépôts de sel formant un motif hexagonal, dont des couches sédimentaires datées de 3,8 à 3,6 milliards d'années. Des motifs qui ressemblent étrangement à ceux que l'on trouve sur Terre, dans des bassins asséchés aux saisons les plus chaudes. Se pourrait-il qu'il s'agisse de témoins fossiles d'un climat martien cyclique, comme celui que l'on a sur la Terre ? Les chercheurs en sont convaincus. Le climat sur Mars aurait pu, par le passé, s'être organisé en saisons sèches et humides. Or, c'est précisément ce type de climat qui permet aux molécules d'interagir. Un climat cyclique et régulier. Ainsi, les molécules peuvent former des composés complexes précurseurs et constitutifs du vivant, comme l'ARN. Autrement dit, ce sont les premières étapes nécessaires de la synthèse des molécules biologiques et donc de la vie. Des conclusions qui ont été vérifiées en laboratoire. Sur Terre, il ne reste aucun vestige des processus naturels à l'origine de la vie. Cette découverte donne espoir aux chercheurs. C'est peut-être finalement grâce à une autre planète que l'on va enfin percer le mystère de la vie. Quelques mois après cette découverte majeure, c'est au tour de la mission InSight de révéler d'autres secrets de la planète rouge. Le 26 octobre 2023, une autre étude est publiée dans la revue Nature et remet à nouveau en question nos connaissances de la planète Mars. En septembre 2021, la sonde InSight a enregistré un impact de météorite sur Mars. Les données sismiques issues de cet impact ont ensuite été analysées par l'équipe de la mission InSight. Ce sont les résultats de ces analyses qui ont été publiés le 26 octobre 2023. Leur étude fait l'effet d'un pavé dans la mare. Elle ne propose ni plus ni moins qu'un nouveau modèle pour l'intérieur de Mars. Selon le nouveau modèle proposé, la structure de Mars serait composée d'un noyau, puis d'un manteau non homogène composé d'une couche de silicate fondu. Ce modèle pourrait expliquer toutes les observations géophysiques qui ont été faites par les différentes missions sur Mars. Mais il pourrait aussi expliquer, de manière cohérente, l'évolution de la planète rouge depuis sa formation. Comment les scientifiques ont-ils pu établir ce nouveau modèle ? En fait, ils ont étudié la propagation des ondes générées par l'impact de météorites de septembre 2021. Et d'après leurs conclusions, il y aurait à la base du manteau martien une couche de silicate fondu. En partant de l'extérieur, on aurait donc les couches successives suivantes. Le manteau solide, une couche de silicate partiellement fondue et plus fine, la fameuse couche de silicate fondu, plus épaisse. Et enfin, le noyau métallique de la planète rouge. Ce nouveau modèle remet aussi en question les estimations de taille et de densité du noyau martien. D'après les nouvelles données, le noyau serait 150 à 170 km plus petit et 5 à 8% plus dense qu'estimé auparavant. Il contiendrait moins d'éléments légers que ce que l'on pensait. Et surtout, une telle structure interne fait que le noyau martien est isolé.
Il ne peut donc plus se refroidir et générer un champ magnétique comme celui qu'il y avait sur Mars au cours des premiers 500 à 800 millions d'années de son évolution. Ce que l'on retient de cette découverte, c'est que Mars et la Terre avaient beau être similaires à leur naissance, elles ont eu des évolutions internes complètement différentes. Les chercheurs ont hâte d'en savoir plus de ce côté, et nous aussi. Fin 2023, une nouvelle découverte a encore une fois changé l'idée que l'on se fait de la planète Mars. Longtemps considérée comme une planète morte ou inactive, Mars a pourtant connu une activité volcanique récente. C'est en tout cas ce qu'a révélé une étude publiée en décembre 2023. On sait que Mars a connu un volcanisme intense, tout comme la Terre. D'ailleurs, le plus grand volcan du système solaire est Olympus Mons, l'un des volcans de Mars. Olympus Mons s'élève à plus de 22 km de haut. Aucune structure terrestre n'est comparable à un tel monstre géologique, pas même l'Everest avec ses 8,8 km de haut. C'est surtout un indice que Mars est capable, ou a été capable, de produire des quantités de lave que jamais la Terre n'a pu produire. Et ce, sur de très longues périodes de temps. Revenons à la découverte qui a été révélée en décembre 2023. Ce n'est pas dans la région d'Olympus Mons qu'elle a été faite, mais dans une autre région volcanique de Mars tout aussi impressionnante, Elysium Planitia. Il s'agit de la deuxième plus grande région volcanique de Mars. Imagine-toi une plaine de 3000 km de diamètre, constituée d'empilements de coulées de lave. Dans ce chemin calme et désolé, quatre volcans majeurs se dressent. Ces volcans sont impressionnants de par leur taille, mais ils sont visiblement éteints. C'est pour cela que l'on a longtemps considéré Mars comme une planète morte. Et pourtant, la découverte dont nous parlons a semé le doute. Il se pourrait que Mars ait connu des éruptions majeures assez récemment. En 2022, une étude avait révélé la présence d'un panache mantellique géant sous la région d'Elysium Planitia. Un signe d'une intense activité volcanique dans un passé récent. Fin 2023, une nouvelle étude a confirmé ces résultats et a même précisé l'âge des derniers événements volcaniques de cette région martienne. Et le chiffre est vertigineux. Mars aurait connu plus de 40 épisodes volcaniques dans les derniers 120 millions d'années. Pour te donner une idée, cela correspond à peu près au moment où, sur Terre, les dinosaures régnaient en maître. Chacun de ces 40 épisodes volcaniques a produit d'énormes volumes de lave dont Mars seul en a le secret. On parle de volumes réellement impressionnants, jusqu'à 16 000 km3 de lave. Cette lave s'est épanchée à travers de larges fissures. Le dernier de ces 40 épisodes volcaniques ne serait pas plus vieux qu'un million d'années, ce qui, à l'échelle de la chronologie de l'univers, est très récent. À ce stade, les scientifiques n'excluent pas la possibilité d'un réveil volcanique de Mars dans le futur. Si des volcans de Mars entraient en éruption, qu'est-ce que cela changerait pour nous? Les éruptions volcaniques sont capables d'apporter d'importantes quantités d'eau en surface. Le magma lui-même contient beaucoup d'eau, qui pourrait être vaporisée dans l'atmosphère et retomber à la surface de la planète sous forme de particules de glace. Et s'il y a de la glace piégée dans le sous-sol de Mars, comme c'est probablement le cas, l'arrivée de magma dans la croûte martienne pourrait la faire fondre et créer d'importantes et soudaines inondations à la surface de la planète rouge.
Or, rappelle-toi que trouver de l'eau sur Mars est crucial pour deux raisons. Trouver des traces de vie sur la planète rouge et préparer de futures missions habitées sur Mars. Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre voyage à travers les découvertes les plus extraordinaires sur Mars. Ces dernières années, notre connaissance de la planète rouge a été remise en question à maintes reprises. Avec les découvertes de Curiosity et de Perseverance, mais aussi celles de sondes en orbite autour de Mars. Nous avons pu répondre à de nombreuses questions que nous nous posions sur notre voisine dans le système solaire. On sait désormais, sans aucun doute possible, qu'il y a bien eu de l'eau liquide sur Mars il y a plusieurs milliards d'années. Mais on sait aussi qu'entre-temps, le climat martien s'est modifié de manière drastique et que la planète a perdu son atmosphère. L'eau à la surface de la planète, l'eau des lacs et des rivières, s'est alors évaporée, faisant de Mars une planète aride et désertique. Aujourd'hui, on peut trouver de l'eau sur Mars, mais uniquement sous forme de petites gouttelettes se condensant le matin dans les hautes latitudes. Ou sous forme de glace dans les calottes polaires. Des défis que les scientifiques n'ont de cesse d'être relevés grâce à de nombreuses innovations. La dernière en date, créer des sortes d'îlots dans lesquels les hommes pourraient vivre. Des chercheurs de Harvard ont suggéré d'utiliser pour cela des boucliers faits d'aérogels de silice. Les aérogels de silice sont des matériaux solides à très faible densité, réputés pour être parmi les isolants thermiques les plus efficaces. Des boucliers d'aérogels de silice de seulement 2 à 3 cm seraient efficaces pour nous protéger du rayonnement UV et élever les températures sur la planète rouge. Mais en attendant de mettre en pratique toutes ces idées, il reste une question à résoudre, celle de la vie sur Mars.